Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli haut que voici. Je vous fais voir un peu de près ce que ça donne. Donc voilà. Voici le bas. Je vais essayer de remonter un petit peu, vous voyez, que ça fait en maille serrée. Je vous fais voir le dos. Il était identique. Et le côté, il est identique. Vous voyez, là, j'ai fait les coutures. Donc voilà. Donc j'espère que le tuto vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Et sur ce, nous allons passer au matériel. Donc pour le haut, j'ai utilisé vraiment, on va dire, 4 pelotes et demi. On va dire 5. La cinquième, il me reste ça. Donc voilà, de la Drake, la écologique. Vous la connaissez déjà, c'est de chez Tessiland. C'est la colorie Cypria. Voici le lot. Vous savez, 100% coton, 50 grammes, 125 mètres. Crochet 3 et 4. Voilà. Il vous faudra aussi des marqueurs, une paire de ciseaux et le haut. J'ai fait l'intégralité du haut avec un crochet numéro 4. Pour faire les coutures, je prends un crochet plus petit. 2,5 et il vous faudra une aiguille pour rentrer les fils. Sur ce, nous allons passer au tuto. Donc, dans la vidéo, je vais vous expliquer comment on procède pour faire des rangs comme ceci. Donc là, j'ai fait ma chaînette de 77 mailles pour une 38-40, pour une taille 42-44. Notez bien, 85 brides. Pour une taille 46-48, 91 mailles en l'air. Et pour une taille 50-52, 99 mailles en l'air. C'est tous. Après, de toute façon, on fait la première partie. Le dos ou le devant, c'est identique de toute façon. Donc là, j'ai fait, comme je vous dis, ma chaînette de 77 mailles en l'air. Donc après, on va devoir faire 6 rangs de mailles serrées et après c'est des rangs qui se répètent comme ceci. Donc là, je vous fais voir déjà ce que j'ai fait. C'est le dos ou le devant, hein. C'est pareil, de toute façon c'est identique comme je vous dis. Donc j'ai fait comme ceci. Après j'ai fait tout droit, j'ai pas fait de d'emmanchure sur le côté. Moi j'ai fait tout droit et du coup en haut j'ai séparé en deux et j'ai fait comme ceci. J'ai fait 6 rangs pour faire sur les écoutes, sur les côtés. Donc on va dire un peu, c'est un peu l'encolure, oui c'est ça, pour faire l'encolure. Donc voilà, moi je vais vous faire voir déjà le premier rang en maille serrée. Après je ferai les 6 rangs de maille serrée. Après je vous ferai voir le deuxième rang et après je ferai mes autres rangs de mailles serrées sans vous faire voir en vidéo. Et après on fera le premier rang et le deuxième rang ensemble. Et après c'est des rangs de toute façon qui se répètent. Donc voilà. Donc là j'ai fait ma chaînette de 77 mailles en l'air. Comme ceci, vous voyez. Une chaînette toute simple. Donc voilà. 1 et après si je mets 2, parfait. Voilà, comme ça vous verrez mieux ce que je fais. Donc là du coup on va faire notre, là j'ai fait du coup mes 77 mailles en l'air. Je mets mon doigt là pour faire, là c'est la première maille serrée, mais on va faire une maille en l'air pour faire la première, pour après, pour faire le premier rang. Donc après on va dans la maille qui est juste là et on fait nos mailles serrées tout simplement dans chaque maille. Ça c'est le début du rang, c'est les 6 premiers rangs. Donc parce que les 6 premiers rangs, au lieu de faire un point élastique, on fait un rang en mailles serrées. Ça change un peu de faire le point élastique, je trouve. Donc ça c'est encore une fois un tuto que j'ai trouvé dans Idéal Crochet, c'est le nouveau d'été là. Je vais vous le faire voir après, sinon ce que ça donne sur le catalogue. Le haut que j'ai choisi. Donc voilà. Donc vous faites des mailles serrées tout simples, comme ça. Voyez?
Ça, vraiment, c'est ça, c'est la base du crochet de toute façon. Les mailles serrées, c'est surtout savoir faire une chaînette et après savoir faire des mailles serrées. Donc, comme ceci. Après, pour faire une chaînette, vous allez sur mes premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne et vous verrez comment on procède pour faire des mailles serrées. Donc là, voilà. Donc je vais vous faire voir le haut que j'ai choisi sur Idéal Crochet. Et vraiment, il y a des belles choses. Il y a même une robe. Mais ça, sinon, je vous ferai voir la prochaine fois sur un vlog que je ferai. Je ne sais pas quand je vais le faire, hein, le prochain vlog, je vous dis. Parce que j'ai des problèmes d'internet. On n'a plus de connexion. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, mes vidéos que vous avez sur... C'est sur mon téléphone et c'est compliqué parce qu'il faut faire... Je vais pas vous faire un topo, mais voilà. Donc, du coup, c'est celui-là que je suis en train de faire. Et du coup, je le fais avec le coton, avec la Drake de chez Tessiland. Elle est vraiment trop bien, cette laine. J'ai même fait un haut là que j'ai sur moi. Je ne l'ai pas fait en vidéo. J'aurais dû le faire. Mais voilà. Donc, ça donne ceci. Après, je pense que le haut, on va faire un rang maille serrée. Je vais voir déjà. On va faire la base. Et après, il y a celui-là aussi qui est beau. Franchement, j'aime bien celui-là. Mais du coup, je suis en train de voir si j'ai assez de pelotes de Drake ou peut-être avec des autres pelotes que j'ai encore de chez Zeman. Je vais voir. Donc voilà. Donc, on va pas s'emmêler les pinceaux. Je vous ai fait voir un peu le tuto que nous allons réaliser ensemble. Comme ça, vous savez. Donc là, vous voyez, on fait les mailles serrées. Donc, je vais continuer à faire mes mailles serrées comme ceci. Et on se retrouve à la fin du rang de mailles serrées. Comme ça, après, je vous fais voir comment on fait un autre rang mailles serrées. Après, je ferai les rangs mailles serrées tout simplement. À tout de suite. Donc là, du coup, vous voyez, j'ai fini. Mais j'ai fait... Je me suis avancée. Je dois vous faire voir là, mais j'ai fait mes 5 rangs. Donc, quand vous tournez sur chaque rang, quand vous ferez premier rang, deuxième rang, 4, 5 rangs, dans le sixième rang, avant de commencer votre rang, vous faites une maille en l'air. Et après, du coup, ben, là, vous sautez la première maille qui est juste là, et vous faites la maille d'après. Et vous faites que des mailles serrées sur 6 rangs, bien sûr. Faites que 6 rangs. Je répète, comme ça, vous entendez correctement. Je préfère vous dire 6 rangs. Donc là, vous voyez, je vais m'avancer sur mes mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang d'après. On va commencer à faire le point fantaisie. Je vous dis à tout de suite. Donc, nous allons commencer à faire le point fantaisie. Donc là, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une maille en l'air. Et du coup, après... Là, nous allons sauter celui-là, cette maille-là, et nous allons piquer dans la maille-là, et nous allons faire une bride. Après, on fait une maille en l'air de séparation. On saute la maille-là, on va dans la maille d'après, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute la maille qui est juste là, on va dans la maille d'à côté, on fait une bride. On fait une maille en l'air, on saute la maille qui est là, on va dans la maille d'à côté et on fait une bride. Une maille en l'air,
On saute la maille là, on va dans la maille d'à côté, on fait une bride. Une maille en l'air. Là, on saute la maille là, on va dans la maille d'à côté, on fait une bride. Une maille en l'air de séparation. On saute la maille là, on va dans la maille d'après, on fait une bride. Et ainsi de suite. Ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air. Je vais dans la maille, là je saute la maille, je vais dans la maille d'après et je fais une bride. Ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. C'est ce que j'ai déjà fait sur le dos ou le devant. Voyez, j'ai répété ce point là. Donc du coup, comme ça, moi, voyez, je vais m'avancer sur ce rang là. Et après, on se retrouve le rang d'après. Le rang d'après, de toute façon, c'est que des brides. Tout ça, un rang de brides et un rang, comme là, je vous fais voir. C'est vraiment simple à faire. Donc là, je finis mon rang et on se retrouve tout de, à tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai fini mon rang de maille en l'air et bride. Point fantaisie. Donc vous voyez, là, j'ai piqué dans la dernière maille, j'ai fait une bride. Après, du coup, le rang qu'on va procéder, là, ça sera un rang que de brides. Donc, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et vous faites des brides. Donc là, on a fait une première bride et vous piquez dans les mailles du rang d'avant. Vous faites que des brides, comme ceci. Donc voilà, ça c'est très simple à faire, vous faites que des brides. Après le rang d'après, ben vous faites le rang que je vous ai fait voir. Ça veut dire un rang, vous faites 3 mailles en l'air plus une maille en plus, et puis vous sautez à chaque fois une maille. Une maille pour faire votre bride. Comme là, je vous ai fait voir. C'est la même chose qu'il faut répéter. Regardez, je vais vous faire voir. Sur le haut que j'ai déjà fait, vous voyez. Là, j'ai fait mes brides. Après, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Une bride, une maille en l'air en plus. Et j'ai sauté, vous voyez. Chaque fois, j'ai sauté une maille. Du coup, j'ai fait combien de rangs comme ceci jusqu'à où j'ai fait l'emmanchure. L'encolure, plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. J'ai fait 32 rangs jusqu'à qu'on arrive à l'emmanchure. Donc tout droit, j'ai fait vraiment, c'est très simple à faire. Donc moi, je vais m'avancer sur mes rangs et on se retrouvera au 32e rang et je vous ferai voir à côté, comme là j'ai fait, pardon, pour faire à côté de l'encolure. Donc je vous dis à tout de suite. Donc j'ai bien avancé sur mon haut, donc comme je vous ai expliqué, du bas jusque là. En faisant un rang avec le point fantaisie, chaque rang différent. Donc, j'ai fini par un rang simple. Un rang avec des brides et je me suis arrêtée au 32e rang. Comme ça, pour que vous avez un petit peu un repère. Et là, du coup, après, ben, j'ai compté 25
bride. Et là, du coup, j'y mets un marqueur et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs, comme ceci. Et du coup, bah là, je vais vous faire voir comment on fait de l'autre côté. Donc, je retourne mon ouvrage. Et du coup, on va commencer par un point comme là. Donc là, on s'accroche juste là à la troisième maille, on prend notre fil, on fait la boucle de départ comme d'habitude. Ça, vous connaissez. Hop, je vais zoomer pour que vous voyez correctement. Voilà. Donc après, vous voyez, j'ai fait. Attendez. On passe dans la maille et je refais, voyez. On va faire de toute façon trois mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc, voyez, vous serrez bien. Voilà. Donc là, une, deux, trois et une maille en plus pour faire la séparation. Donc là, on va sauter cette maille là et on va aller dans celle-là. Juste là, on fait une bride. Après, on fait une maille en l'air de séparation. Je saute la maille, je vais dans la maille d'à côté, je fais une bride, une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace, je saute l'espace, je vais dans l'espace d'à côté et je fais une bride. Et ainsi de suite. Je saute l'espace là et je vais dans l'espace d'après. Voyez, vous devez sauter à chaque fois une maille. La maille là, vous allez dans la maille d'après. Une maille en l'air de séparation, vous allez dans la maille d'à côté et vous faites une bride. Vous faites une maille en l'air de séparation. Vous sautez la maille là et puis vous faites des brides tout simplement. Une maille en l'air de séparation, vous sautez la maille là, vous allez dans la maille d'à côté. Vous faites une bride, encore une maille en l'air et là on saute encore celle-là et on va sur la maille d'à côté et on fait une bride, une maille en l'air de séparation et on saute encore une fois une maille, on va dans la maille d'à côté, on fait une bride, on fait une maille en l'air de séparation, on saute la maille, on va dans la maille d'à côté, on fait une bride. Et là, vous faites une maille en l'air de séparation. Là, on va sauter là. Oui, j'ai mis mon marqueur. En tout, comme je vous ai dit, j'ai compté 25 brides. Et là, du coup, je fais ma bride. Si vous voulez, je vais compter 25 brides. Comme ça, vous voyez le quota que j'ai fait. C'est par rapport à par rapport à mon épaule et où ça arrive à peu près à mon cou. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je me suis trompée. Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Deux fois que j'ai fait là, dernier, parce qu'en tout, maintenant c'est bon, c'est ça, oui. Côté, de toute façon, il faut que j'en compte, j'en ai fait. Il faut que ça fait 13. Ça fait 13 brides comme ça. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc c'est bon. Donc voilà. Donc après, vous retournez votre ouvrage et vous faites simplement des brides. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air pour faire la première bride. 1, 2, 3. Et là, vous faites des brides dans chaque espace. Là, je fais une bride sur la maille d'après, encore une bride sur la maille d'après, ainsi de suite. Voyez, vous faites des mailles, tout simplement. Et du coup, moi j'ai fait 6 rangs,
comme ceci. Vous voyez, j'ai fait un rang avec une bride, une maille en l'air et une bride. Et j'ai fait un rang à chaque fois. Vous voyez, comme là, vous voyez. J'ai fait de même ce côté-là. Vous voyez, j'ai fait 6 rangs. Comme ceci. Vous voyez. Donc, du coup, c'est pour ça que je préférais vous faire voir qu'on commence par un point. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce point. Non, on ne va pas chercher compliquement. On va dire point fantaisie. Donc, du coup, j'ai commencé par une bride, une maille en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Après, un rang de bride et ainsi de suite. Et j'ai fini par un rang de bride. Du coup, après, ben, vous positionnez notre moitié de votre haut que vous avez fait. Vous faites comme ceci. Vous mettez des marqueurs et vous commencez à faire les coutures des épaules. Après, vous le positionnez sur vous et vous essayez de accrocher à peu près en dessous des aisselles, que ça fait à peu près, vous voyez, que vous êtes bien à l'aise en dessous. Vous accrochez un marqueur en dessous des aisselles et après, du coup, ben, vous marquez, vous mettez des marqueurs tout le long, juste là. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Vous mettez des marqueurs tout le long et après, vous faites vos coutures. De toute façon, les coutures, je vous ai déjà fait voir sur mes vidéos, je fais avec des mailles serrées. Je trouve que c'est vraiment le plus simple et ça tient mieux. Parce que mes autres ouvrages que je fais comme ça, quand je vous fais avec deux pièces, eh ben mes hauts ne bougent vraiment pas du tout. Même à plusieurs lavages et tout ça, c'est vraiment parfait. Donc du coup, moi je vais m'avancer sur mes... J'en ai déjà fait deux. Attendez. Sur mes 4 rangs qui me restent, donc avec celui-là, mon 5e rang, avec mes 5 rangs qui me restent, et je fais mes coutures, et puis après, vous verrez ce que ça donne sur moi. Donc, sur ce, je vous dis à plus tard. Donc, voici le haut terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez bien réalisé ce joli haut vraiment simple à faire. Donc, après le bas, c'est fait en maille serrée. Voilà, de toute façon, dans le tuto, vous avez vu. Donc, voilà. Je vous fais voir aussi le dos, ce que ça donne. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!